Bonjour mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, ici Kanoso Bozolanda Biso, code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui en plein coin périurbain, il y a Kinshasa, donc l'Ancelé. C'est la poursuite, il y a tour de Kinshasa aujourd'hui, deuxième dimanche. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer de manière exhaustive, progressivement, Biloko Ndenge do Salama et surtout Nasuk encore Boroyo Kalisusu Ndenge Bakochi n'a pas commentaire sur Salama. Mais na minute autour, pour profiter un peu dans nous avons quelques éléments techniques pour nous étaler course Nabiso. Alors nous essayons de prendre le coach Nsumbu qui est le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale, mais également l'entraîneur il y a club. D'ailleurs, le seul club yaba cycliste dans le Congo, Zenith Pro Cycling RDC. Alors, coach Mbote. Voilà, les lots, ils ont normalement poursuite. Il y a Auto Banda qui est déjà dimanche. Tolingi na nopé, ça a été moins idée. Course, ils ont nini, ils ont dingi. Bon, course, les lots, ils ont contre la montre individuelle. Donc, effort personnel. Yo cycliste, c'est obstacle, l'union, c'est Yaliboso. Et ça, dans ma boucle, on a eu tel que vent monte à obstacle pour nos cyclistes. Donc, courir au Yarosal a moins de temps la compétition les lots sur kilomètre au Bapesi, 15 km. Donc, hier, on a eu la vainqueur. Il y a deuxième journée, il y a quand moi tour à Kinshasa, tout ça. Voilà, tour à Kinshasa, la globalité, on a eu ni Yarosal, mais vraiment, ils ont ni. Bon, ton premier semaine, 8 ans, les gars, ton salaire course. Éliminatoire. Classement, va décerner bah point dans chaque coureur ou Azaki classé. Les lois allient deuxième et vous appelez même Bongonde, Semene Zoya, Tozoko Tasugon en la course en ligne, où il y a 145 km, où il y a départagé Bango à 100%, suivant classement général. Donc, où il y a la totalité des points, il y a même dans la vainqueur, il y a challenge, il y a une semaine d'intervalle, il y a trois journées. Le défi particulièrement à Lelo, est-ce que Toko y est combien de kilomètres que vous en avez idée à kilomètres départ et vous ça la mandingue ni. Bon, bah relancer courir moko moko. Donc suivant le classement, il y a dimanche bah qu'on renverse. Oyazaki dernier yem donc le premier coureur Lelo. Dans l'intervalle il y a 2 minutes. Et si quoi on a lobby bah kilomètres à Lelo bah au parcourir Toko y est est-ce que vous en avez idée déjà bah kilomètres à Lelo bah au parcourir. Oui, parce que Monique Banzela est comme à moi passe tout un circuit bandana devant FIFA qui que nous retourner rond-point en scellé entrée à Menkanzela Menkaonanzela Maluku ba retourner wana et ça la 15 km na yangonde ouais ça la moins de temps yende des premières épreuves y aller. Merci coach de retrouver yo après épreuve Oyo. Tozui par exemple les champions Abisso et Alelo, l'autre fois aux Alakipé na course et na première épreuve et Bandaki. Voilà, c'était même notre deuxième. Lelo si quoi aux courses n'est que vous préparez au Yébik et course à Lelo et Zanini. Bon, course à Lelo et Zanini, course à par point. Vous avez fait ça l'effort ici, c'est pour mettre à point ici. Pour. En réalité, Yomoko contre Yomoko. Si la technique ni faut appliquer pour na muningo za sima rattraper d'après ndenge binomo bomi prépare. Mais ça c'est leur performance, na selon roule pour obstacle les avant. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mais également aimez et partagez la vidéo. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
contre la montre individuel, parcours 17 km. Le premier de la course, Kitoko Chadrec. Dossard numéro 8. Il a réalisé 24 minutes 37 secondes et 67 centièmes. Kitoko, s'il vous plaît, ici. Deuxième de la journée ou de la course, Dossard 23. Il a réalisé 24 minutes 41 secondes 20 centièmes. Matondo Bebeka. Troisième, Lianza, Dossard numéro 2. 25 minutes 5 secondes 35 centièmes. Quand c'est un mot, il y a des courses à l'élo, il y a des décisions, il faut gagner, on a gagné en course à l'élo. Oui, course, c'est un avantage pour course, il y a des courses à l'élo. Spécialité, il y a des courses à l'élo, il y a des courses à l'élo, il y a des courses à l'élo. Course, il y a des courses à l'élo, tu pouvais avoir un tour là qui s'appelle. Pour les tacs et zénith, tu as là qui s'appelle. Tu as coincé dans ton lac, tu as un zénith en arrière de ça. Tu as un avion, 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 tu Victoire est en amabo, on a vu son prévané, on a eu salami. On a vu ça déjà, président, comité, on a vu ça. Donc on a gagné, on a vu ça. Deuxième, troisième, on a vu ça, mais on a gagné. Peu classé, on a vu ça. La seule chose qui a valeur, on a vu ça. Mais la condition, parce que Zenith, tu as coxé la condition, tu as attiré la condition. On a un directeur technique, directeur sportif, entraîneur, sélectionneur, à cause de ça. On a vu ça, on a peu de moyens, tout ça là. Pour que vous préparez la bise au haut niveau. Malali Bosso. Pour être temps après 4 ans, 5 ans, équipe, il y a Congo et qu'il y a la Tour de France. Histoire éthique. Bon, tout d'abord, je suis très content puisque on a trois étapes. La première étape, ça s'est très bien passé. Et la deuxième, autant. Et d'ici là, dans une semaine, on va affronter la troisième étape. Alors, tout est prévu. Je tiens vraiment à féliciter beaucoup plus la police par rapport au travail qu'ils ont abattu aujourd'hui. Ils nous ont sécurisé comme il faut. En tout cas, je remercie beaucoup le colonel Bitus ainsi que le major Libonga et son équipe. Donc je dirais, tout est prévu. La batterie est déjà en marche pour la course, la dernière étape. Ça fait 20 ans que je suis dans la Ligue. Donc moi-même, je suis un ancien coureur, donc, c'est-à-dire okay, ensemble avec les coachs qui est à côté de moi, avant une course, il y a des réunions qu'on est en train de faire ensemble pour voir comment est-ce que, on peut éviter hein, tous les incidents. Donc je dirais, de ce côté-là, il ne faut pas avoir des inquiétudes, donc tout est bien prévu. Il y a que les juniors qui réclament, puisque ce sont des débutants, ils viennent à peine de commencer. Merci. Je suis plus qu'ému, très très ému et très satisfait de mon équipe parce que une fois de plus, Zenith a été au Zenith avec un coureur qui gagne le contre-la-montre individuel d'aujourd'hui. C'est magnifique pour nous. Les résultats répondent parfaitement aux attentes du club parce que nous avons une équipe qui est très très bien entraînée avec notre coach Sumbu qui vraiment est en train d'inculquer dans la tête des jeunes gens qui sont nos coureurs une mentalité de gagnant et puis une vraiment force mentale au point où les jeunes sont vraiment en train de montrer ce dont ils sont capables et on en est vraiment très 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 content aujourd'hui. Nous sommes en train de faire notre chemin. 2023, c'est notre objectif. C'est pas aujourd'hui ni demain, mais s'il y a du chemin à faire et il y a du travail à abattre, je crois qu'on est sur la bonne voie. Le travail que l'on abat aujourd'hui se montre sur le terrain. Il faut d'abord que nous puissions d'abord répondre sur le plan continental avant d'aller à des échéances telles que le Tour de France. Nous n'allons pas nous contenter de nos deux victoires, mais nous allons aller au-delà et faire encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui comme résultat. Je crois que le classement est fait par la Ligue qui
organise le championnat quinois. Je fais entièrement confiance au staff de la Ligue, surtout aux commissaires qui ont vraiment bien abattu leur travail avec le suivi pour qu'il n'y ait pas de la triche, pour qu'il n'y ait pas, de couac aussi. Donc je pense que le résultat est fiable. Mes impressions sont très bonnes, c'était une réussite, on n'a pas eu d'incident, c'est déjà le principal. On a vu des performances. Bon, il y a certains athlètes dont on connaissait les capacités se sont vraiment affirmés aujourd'hui. Par exemple, Chadra Kitoko, qui est sorti premier de la course contre la montre. Bon, là, il y a des petites discussions par rapport aux juniors, mais il y a quand même des bons résultats. Sinon, bon, vous voyez un peu l'ambiance ici, c'est vraiment chaleureux. Tout s'est bien passé. Maintenant, on attend la troisième étape pour sacrer le vainqueur des trois étapes. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cyclistes à un moment donné, mais les filles ont des problèmes de matériel. Donc, on avait acheté des vélos pendant un moment, mais bon, il y a eu du laisser-aller du côté filles. Et puis, on avait mis des personnes qui n'ont pas pris soin du matériel. Donc, on s'est retrouvés avec des filles qui se sont un peu découragées. Mais là, on va remettre en place un programme en fait, pour revitaliser un peu le cyclisme féminin. Bah, d'abord, bon, par rapport au parcours, peut-être que le vice-président vous en parlera tout à l'heure. Il y aura une course en ligne qui sera assez longue. On a l'habitude de faire cette course en ligne et puis un parcours en circuit fermé pour finir. Et encore un demi-grand tour, je dirais, pour vraiment les mettre à l'épreuve. Maintenant, on a prévu des petites choses. Nous, bon, y a des sponsors qui nous ont donné des petits cadeaux tels qu'une télé, peut-être un billet d'avion. On espère un vélo Kinga et puis on espère avoir d'autres lots. Donc j'appelle à toute bonne âme de bonne volonté, sponsors ou autres personnes qui voudraient nous aider, à nous aider avec des lots ou bien même des moyens en fait, avec lesquels on pourrait acheter donner des enveloppes. En fait, hein. Mais nous, on organise tout ça avec nos propres moyens. Il faut pas nous en vouloir quand on fait des petites courses, entre guillemets. Ce n'est pas des petites courses, mais c'est quand même... quelque chose pour les athlètes. En fait, on les met en épreuve et puis on les met en activité. Ça leur permet d'être toujours en action en fait, et puis ne pas stagner dans leur performance. Les athlètes sont en train de se donner à fond, disons, pour réunir le plus grand nombre de points. Donc là, on a eu la première épreuve la semaine dernière, aujourd'hui la deuxième, et la troisième, c'est une épreuve encore plus difficile, je dirais, que les autres, parce que c'est la course en ligne. Et on fera le cumul de tout, donc ça sera le suspense jusqu'à la fin pour savoir qui sera le gagnant. Moi, j'appelle aussi les autorités provinciales, parce que nous, on dépend de la province, de nous soutenir aussi, parce que pour l'instant, on n'a jamais vu quiconque, que ce soit le gouverneur ou le ministre des provinciales, nous venir en aide d'une façon ou d'une autre. Et bon, comme les sponsors, quelquefois, ont du mal à répondre présent en ce moment, surtout après la crise du Covid, parce que c'est vrai que tout le monde a traversé une crise financière, les entreprises ont fonctionné au ralenti, dans le monde entier, pas seulement ici. Moi, j'étais en France pendant quelques temps et j'ai vu là-bas aussi. Et c'est vrai que là-bas, il y a une différence, c'est que le gouvernement, en fait, a aidé les entreprises à s'en sortir, tandis qu'ici, bon, les entreprises s'en sortent toutes seules. Donc, on comprend tout à fait que les entreprises ne répondent pas présents aux sponsors. Mais on a toujours, en tout cas, un sponsor fidèle, et je le remercie en passant, Prodimpex, qui nous accompagne depuis des années. Et on espère faire le Grand Prix King annuel fin août ou début septembre. Donc on les remercie d'avance, et puis j'aimerais que d'autres suivent. Et puis aussi, je félicite aussi le groupe Zénith, enfin le club Zénith, pour les performances et puis les efforts qu'ils mettent en fait à profit des cyclistes. Et j'invite d'autres personnes qui voudraient créer des clubs à venir se rapprocher de la Ligue pour pouvoir faire la même chose qu'eux et puis aider toute cette jeunesse en fait qui ne demande qu'à émerger.